Kutoka makumi tatu na tatu. Exode 33. Verset ya kumi na moja. 11e verset. Exode 33, 11. Kutoka makumi tatu na tatu, kumi na moja. Tutasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaweza kuanzia ku kumi na tatu. Basi sasa ninakuomba, kama ikiwa nimepata neema mbele yako, unionyeshe sasa njia zako, ili nikujue hata nipate neema mbele yako. Nafikiri taifa hili lililo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe na nitakupa raha. Akamwambia, kama uso wako usipokwenda pamoja nami, usipokwenda pamoja nami, usituchukue toka hapa. Kwa maana itajulikana kwa njia gani ya kama nimepata neema mbele yako, mimi na watu wako? Si kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi? Bwana akamwambia Musa, nitafanya neno hili ambalo ulisema vile vile. Kwa maana umepata neema mbele yangu, na nitakujua kwa jina lako. Amen. Tuombe sote pamoja. Prions tous ensemble. Tuombe sote pamoja. Prions tous ensemble. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakukaribisha katika chumba hiki ili kwa ibada yetu ya asubuhi tupate kuwa pamoja na wewe. Roho wako apate kutufunika mchana mzima, na wakati neno hili tunapolielewa, kuliongea, kulitafakari, ulifanye uhai katika maisha yetu. Tunakukaribisha kama Mungu wetu, na upigane upande wa wenye kuwa na shida na marekete mbalimbali. Roho wako angalie katika chumba hiki na kuchunguza chochote kila mwenye kuwa hapa angetamania umutendeye. Wewe unaye majibu za kila swali na shida, zikubaliwe mbele za uso wako asubuhi ya leo, mujina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Taikala. Nous allons asseoir. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous avons le réel plaisir ce matin. Tuna furaha kubwa asubuhi ya leo. De nous présenter devant le Père. Ya kuja mbele ya Baba. Pour l'adorer. Kwa ajili ya kumwabudu. Et nous disons merci à Dieu. Na tunasema asante kwa Mungu. Pour sa protection. Kwa ulinzi wake. Son amour. Kwa upendo wake. Et son encadrement. Na kwa kuweza kutu. Nous lui disons merci. Tunamsema asante kwake. Parce que le samedi nous disions ceci. Sababu siku ya posho tulisema hivi. Que le Seigneur nous aide d'arriver ce samedi. Kwamba Mungu atusaidie kufika siku ya sita ya leo. Pendant que les nôtres auront échappé la brûlure par l'eau. Wakati atakuwa ametuepusha na kuunguzwa na maji.
ça a été dit. Hiyo tunapaswa kuisema. Pas par nous. Non pas par nous. Si kwa sababu yetu. Mais par notre patron. Lakini kwa sababu ya msimamizi wetu. Nous sommes des travailleurs pour le chef. Sisi tu ni watumishi wa mkubwa. S'il a dit. Kama alisema. Priez pour ça. Ombeeni kitu. C'est devant vous. Kiko mbele yenu. Que nous avons intercédé. Na atue tulitetea. Que des témoignages sont parmi nous. Na shuhuda ziwe miongoni mwetu. Que des gens en ont échappé. Watu waliponyoka. Je m'imagine si on n'avait pas prié pour bloquer ça, qu'est-ce qui arriverait? Na wazia ingekuwa hatukuomba kwa kuzuia hiyo, nini ingetokea? Je crois qu'on vient de parler de trois cas. Nadhani wameongelea kuhusu kesi tatu. Qui ont échappé. Ambao ziliponyoka. À la brûlure par l'eau chaude. Kwa kuunguzwa na maji ya moto. C'est parmi les grands problèmes. Vous êtes brûlé par l'eau, vous pouvez même mourir. Ni katika shida ambazo ni shida kubwa. Ukiunguzwa na maji waweza hata kufa. Alors nous disons. Sasa tunasema. Merci notre patron. Asante kwa mkubwa wetu. Merci notre Dieu. Asante kwa Mungu wetu. Merci notre chef. Asante kwa mkubwa wetu. Que la gloire te revienne. Utukufu ukurudilie. C'est la preuve que tu continues de nous aimer. Nizihirisho kwamba unaendelea kutupenda. Nous qui ne méritons même pas. Sisi ambao hatukuwa tunastahili. Nous te promettons la fidélité. Tunakuahidi uaminifu. Nous n'allons pas aller en dehors de ta volonté. Hatutaenda kando ya mapenzi yako. Nous approchons tous ceux qui sont venus prier avec nous ce matin. Tunakaribisha wote waliokuja kuomba pamoja nasi asubuhi. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Soyez les bienvenus parmi nous. Tunawakaribisha miongoni mwetu. Bonne matinée de prière. Asubuhi njema ya maombi. Déjà qui sont en ligne. Watu wenye kuwa kwenye mtandao. Très tôt le matin. Asubuhi mapema. Que Dieu soit avec vous pendant qu'il est avec nous ici. Mungu awe pamoja nanyi wakati akiwa pamoja nasi hapa. Alors, ce matin, asubuhi ya leo, nous commençons par un sujet. Tunaanza na somo. Qui est la clôture de ce que nous avons commencé il y a trois semaines. Ambao linakuja kukamilisha yale tuliyoanza kumepita juma tatu. Parmi les cinq points. Ni katika zile nukta tano. On avait parlé de cinq choses. Tuliwahi kuongelea mambo tano. Qui pousse Dieu d'être votre ami. Ili yanaweza fanya Mungu awe rafiki wako. Qui pousse Dieu d'être votre conseiller. Yanayosukuma Mungu kuwa mshauri wako. Cinq choses. Vitu vitano. Quand vous les faites avec sincérité. Ukivifanya kwa moyo wazi. Dieu vous approche. Mungu anakukaribia. Il devient votre ami. Anakuwa rafiki yako. Votre conseiller. Anakuwa mshauri wako. Le collaborateur. Na anakuwa mwenzi wako. On a parlé des cinq. Tulisema kwa ajili ya mambo tano. La première. Kitu cha kwanza, aimer les enfants de Dieu. Ni kupenda watoto wa Mungu. J'ai déjà prêché dessus. Nimekwisha kuhubiri kuhusu. La deuxième. Ya pili. La crainte de Dieu. Woga wa Mungu. Vous voulez faire quelque chose? Unataka kufanya kitu fulani? Posez-vous la question. Jiulize swali. Qu'est-ce que Dieu dira? Mungu atasema nini? Qu'est-ce que papa va dire? Baba atasema nini? Lui qui me voit. Yeye anayeniona. Est-ce que ceci ne va pas la choper? Je, hiki hakita mkwaza? C'est très bien ça. Hiyo ni vyema sana. Troisième chose. Kitu cha tatu. Il faut avoir ce que nous avons dit. Inabidi kuwa kile ambacho tulisema. Comme croyant chercher un degré de sainteté. Mkristo anayetafuta kiwango cha juu cha utakaso. Un degré de sainteté, c'est-à-dire kiwango cha utakaso ninasema maana yake. Créer l'amitié avec Dieu. Kuunda urafiki na Mungu. En cherchant comment être comme lui. Ukitafuta namna gani ya kumfanana. Soyez parfait comme votre Père est parfait. Iweni wakamilifu kama vile baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Sans la sanctification, bila utakaso, personne ne verra le Seigneur. Hakuna atakayemuona Bwana. N'allez pas créer l'amitié en vous souillant. Hauwezi kuunda urafiki ukijichafua. Plus vous vous souillez, kadiri unajichafua, devenez ennemi de Dieu. Kadiri unakuja unakuwa adui wa Mungu. Autre chose qu'on a dit, ngine kitu tulisema, l'obéissance. Utiifu. On a vu combien l'obéissance est très importante. Tuliona mara ngapi utiifu ni wa maana sana. Même chez vous, hata kwenu les enfants qui vous obéissent sont les mieux aimés que les autres. Watoto wanaowatii ndio wanapendwa kuliko wengine. Moi je connais le secret. Mimi najua siri hiyo. Vous avez des parents. Naona wazazi. Nous quand on grandissait. Sisi wakati tulikuwa tukikoma. Il y a des moments où mama pouvait cacher quelque chose. Kuna wakati ambapo mama angeweza kuficha kitu fulani. Il dit tel. Anaita fulani. Viens je t'envoie. Kuja nikutume. Alors que c'est pas pour t'envoyer. Na hiyo haikukua hata kukutuma. C'est pour te donner. Ili aweze kupatia. Joue au balfi dit Mr. Kuya. Et puis si tu dis je ne viens pas. Celui qui dit si Takuya.
Yula naye sema je ne viens pas. Maman appelle un autre. Mama naita mwingine. Tel flani. Toi viens. We kuya. Oui maman. Ndio mama. Je suis ici. Mimi hapa. Mange ça. Kula. Envoie-moi maintenant. Nitume sasa. Non non, je n'avais pas à vous envoyer. Sikukua na nafasi ya kukutuma. L'enfant qui obéit toujours à sa mère. Mtoto anayeti kwa mama yake kila mara. Mange le meilleur de sa cuisine. Anakulaka vitu vizuri vya. Si nous le faisons pour les enfants. Sasa tukifanya hivyo kwa watoto wetu. Dieu ne manquera pas de le faire. Mungu naye hatakosa kuifanya. Plus vous obéissez à Dieu. Kadiri unavyotii Mungu. Plus vous aimez Dieu. Kadiri unavyopenda Mungu. Plus Dieu vous approche comme son ami. Kadiri Mungu naye atakukaribia kama rafiki yake. Je suis content du message. Sana, le message nous avait donné la définition. Ujumbe ulitupatia tafsiri. Qu'est-ce que l'obéissance? Utiifu ni nini? J'ai expliqué ça. Niliweza kufasiria. Laissez tomber vos idées. Ni kuachilia mawazo yako. Laissez tomber vos pensées. Ni kuachilia nia zako. Laissez tomber votre volonté. Ni kuachilia kutaka yako. Tout ce que vous avez dans votre tête. Vyote unavyokuwa katika kichwa chako. Laissez tomber ça. Unaviweka chini. Faire ce que lui demande. Unafanya kile ambacho Mungu anaomba. Et après? Na badai, lui s'occupe du reste. Mungu nana ashughulika na anayo. On a vu le danger de désobéissant. Tukaona hatari ya kukosa utiifu. Déjà qui dans la vie, watu wanao kwa katika maisha. Pour n'avoir pas obéi. Ambao hawakutii. Ont eu des problèmes avec Dieu. Walipata matatizo na Mungu. Maintenant aujourd'hui, sasa leo, c'est la prière ni maombi qui vous rapproche de Dieu. Inayo wakaribia bakaribisha na Mungu. Qui renforce votre amitié. Na inayo pia kazilia urafiki wenu. La prière maombi qui renforce votre amitié avec Dieu. Yanayo kuja ku kazilisha urafiki wako na Mungu. Et qui vous rapproche plus de Dieu. Na yanayo kukaribia kukufanya ukaribie sana. Donc vous devenez quelqu'un, unakuwa mtu de plus rapproché de Dieu, ambaye anayemkaribia Mungu sana. Et quelqu'un, mtu dont le degré d'amitié avec Dieu, ambaye kiwango chake cha urafiki na Mungu, devient très solide, kinakuwa kizito sana. C'est ça le sujet de ce matin. Hiyo ndio somo la leo. Je tâcherai peut-être d'y aller rapidement. Nitafanya iwezekanavyo ili kwenda niende haraka. Mais j'ai déjà commencé. Lakini nimekwisha kuanza. J'ai commencé par quoi? Nilianza na nini? Un homme qui avait ce degré. Mtu aliyepata kiwango hiki. En Kiswahili, akadeka. Il fut jusqu'au niveau d'être gâté. Akafikia hata kiwango cha kudekeshwa.